Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du mercredi 29 mai. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur la journée Kettlers et de la fête des mères, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actu. Vendredi 24 mai, une journée de sensibilisation a été organisée à destination de l'ensemble des écoles primaires de la ville au complexe sportif Léo Lagrange. En hommage au docteur Kettlers, ancien cardiologue du centre hospitalier d'Armentières, les enfants ont découvert l'utilité des gestes de secours, comme le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur ou de prendre conscience, par exemple, des méfaits des jeux vidéo. Pour la fête des mères, les commerçants d'Armentières se sont mobilisés. Au programme, stand de pose de vernis, de coiffure, de sport, de bien-être et de nombreuses réductions dans de nombreux commerces. Pendant que les mamans profitaient de cet après-midi, rien que pour elles, une garderie éphémère amusait les enfants derrière l'hôtel de ville. Nous connaîtrons prochainement les grands gagnants de la croisière du jeu organisé par l'Union commerciale, les As. Dans le cadre de la semaine de mobilisation face au cancer, la ville et ses partenaires organisent un spectacle d'improvisation sur la prévention vendredi 31 mai de 20h à 22h à la Maison du Temps Libre. Le spectacle est gratuit pour tous. Les danseurs des cours municipaux présenteront leur gala de fin d'année vendredi 14 juin à 20h et samedi 15 juin à 17h et 20h au Viva. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain.